reprends, j'ai appuyé sur un bouton. Voilà, là c'est bien. Je vais prendre un effet algant parce que. Je fais que ça de me soigner, mais bon, ça se passe pas. J'ai bu un coca. Pour que. J'arrive à digérer un peu. Mais bon. Franchement, c'est dur, dur, dur. Normalement, ouais, je suis faible. Faiblarde. Normalement, ça doit être là. Quand c'est une migraine ophtalmique, et ben on supporte ni la lumière, même pas celle du jour, hein. Ni quoi que ce soit d'ailleurs. Alors, il va falloir que je prenne les fers à gants, mais il faut que je prenne un café bien fort, avec le moins de lait possible. Et je vais aussi enlever mes oreillettes dès que j'aurai fini. Je suis en train de me masser le crâne. Ça fait un peu de bien. Bon, allez, hop, et faire le gant. J'attends que ça ait fini de pétiller un peu, parce que. Bon, allez, zou. C'est parti. À la vôtre. J'espère que ça va rester par contre. J'ai de moins en moins de facilité là. J'ai reçu les trois derniers moules pour les bougies. Je vous ferai une petite vidéo. J'espère. Soit cet après-midi, soit demain. Ça va dépendre de ma forme, bien sûr. Je vais en profiter d'être en vidéo comme mon miroir est cassé pour me mettre la crème sur
sur ces, c'est pas des petits boutons, mais je traite comme si c'était des champignons, parce que l'autre, la bouche est partie et cela m'ennuie. Celui de là, là. Tant qu'ils sont ouverts, j'en profite, je traite. Oui, parce que ça m'agace, ça me fait une. Ça me creuse la peau quand ça fait une croûte. Voilà. Pas pour longtemps, mais bon, faut le faire. Hop, on suit le doigt. J'ai même sorti le cache pour les yeux. Ben, vous savez que ça fait du bien de baisser les yeux en fait. Et comme j'y arrive pas. Pardon, ça c'est les furalgans. Comme j'y arrive pas, je mets ça. Comme ça, là. Là, je vais pas le faire, je viens de mettre la crème. Je le mets comme ça. Ça me force à baisser les yeux. Et du coup, j'ai moins mal. J'en ai 3-4. Comment que ça pousse, ça pousse, ça pousse. Bientôt ils vont arriver par terre. Non, je rigole, hein. Je les ferai pas arriver par terre, hein, non plus, hein. Déjà que je m'assois dessus. Alors si c'est en plus pour marcher dessus, non, merci. Voilà quoi. Et un peu de travers le. Voilà. Alors, tiens, pour les gens du GEM, moi aussi, regardez là. J'ai un livre plié. C'est un sapin de Noël. Ouais. J'ai pas besoin de le faire, il est déjà fait, le sapin de Noël. Non mais ça c'est rien, c'est parce que j'ai tué des. Mon chien m'a ramené des puces. J'ai tué des puces. Et ben ça me gratte maintenant de partout. Y a rien, hein? Rien du tout. Mais c'est psychologique, psychosomatique. Ça fait mal aux yeux. T'aurais pas dû le faire. Oh. Ah oui, j'ai les larmes qui montent. Et ah oui. Ouh, vache. Mais. Donc. Ça m'a l'air de commencer à faire effet tous les médicaments là.
J'ai pris hier à 10h30, j'ai pris un médicament pour les migraines. Ça n'a rien fait. Mais rien du tout. Hein, et toujours là, là, comme ça. Là. J'ai donc pris un médicament habituel à 11h. Obligé, hein. Puis comme j'ai le droit à prendre un Efferalgan 3 fois par jour en plus, j'en prends pas trois. Hein, non, non. J'en prends un. Je vois si ça fait effet. Si ça fait pas effet, basta, hein. Et puis bah là, ça a l'air de vouloir se calmer en ayant enlevé la pince et le serre-tête. Puis le fait de frotter le crâne aussi, ça aide. Ça fait circuler le sang. Et là, il doit y avoir un point sensible. Là, ouais. En fait, c'est un problème veineux. Les veines du crâne. C'est un problème des veines du crâne. Mais dites pas que j'ai des cheveux blancs. Ah non, c'est un reflet. Là, ici, là, ici. Là. Il fait mal, celui-là. Faire circuler le sang correctement. Voilà. Puis là, comme ça. Ceux qui ont des trucs là qu'on fait comme ça, là, ça masse. Allez-y. Vous faites comme ça là, ici là avec les 5 doigts. Mes cheveux, on dirait de la paille tellement c'est sec. Ils sont secs de chez sec. Là, ça c'est le début de la tresse. J'avais commencé, puis j'ai mis l'élastique après par-dessus. J'ai fait le contraire de ce qu'il faut faire. Ah, voilà, quand vous avez une migraine, vous massez le crâne. Je vous jure, ça fait du bien. Ah, maman, c'est en train de passer à l'autre côté. Il y a le point sensible où j'ai le pouce. Ça fait mal. Alors là, quand ça fait mal, faut masser. C'est pas évident dans cette position-là. Là, vous faites avec les deux mains. Et là, il y a là le point sensible aux tempes. Des petits cercles, c'est plus facile. Celui-là, il fait mal vous jure. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah, oh. Alors, ça fait du mal pour que ça fasse du bien. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais. Le médecin de la douleur, il masse. J'ai mal, hein, je peux vous dire que j'ai mal.
Mais après, j'ai plus rien. J'essaie. Ah, voilà. Iiii. 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 C'est ce que je fais, mais plus fort quand tu es en train de subir les infiltrations et massages et toutes les tortures qu'il me fait pour me faire du bien. Donc je me dis, si ça fait mal en appuyant, c'est que ça va faire du bien après. On relâche. Déjà, ça soulage les doigts. Quand je vous disais, regardez le marron, comment qu'il colorise en rouge. Regardez, vous avez vu? Ça, c'est le champignon qui a tout mangé. Mon ourdi repousse. Plutôt satisfaite parce que bon, il y a une délimitation, c'est sûr, mais ça correspond à la dimension de mon ongle. Et puis celui-là, il a été bouffé aussi. Celui-là, un peu. Ouais, du coup, je me traite, hein, bien sûr. Hein. Bah oui, pas le choix. Quelle idée de se gratter les pieds. Bah, je savais pas que j'avais un champignon sur la peau. Voilà. Ça m'a gratouillé, je me suis gratouillé. Et bah, vas-y donc. Du coup, alors que ce soit un bouton de fièvre de plus d'une semaine. Prenez ça en pharmacie. C'est 5 euros. Je sais pas quoi. C'est drôlement efficace. Donc voilà. Ça me gratouille, mais ils en demandent. Ou alors, tant que la bougie n'est pas figée, je peux rien. Je peux pas l'allumer, sinon ça va se consumer pour fondre tout de suite. Donc il faut que j'attende demain. Donc en attendant, la solution, prenez votre huile essentielle de menthe poivrée. Attention, hein, c'est là que ça se passe. Donc je ne vais pas pencher. Déposer une goutte. Hop là. Attention, la goutte, elle s'en va sur la tempe. D'un côté. De l'autre. Et là, je vais éviter les boutons sur le front. Enfin, les boutons. Si vous accédez au nez, c'est bien. Ou vous faites un T. Il y en a encore. Elle est bien, tu es l'essentiel. Franchement, Mav, non, si, Mav Jam. MAVJJAM.
Bah franchement, ça dégageait sinus là, et normalement ça passe. Alors, gardez cette odeur, mais le doigt non, parce que s'il y a contact avec les yeux, c'est pas bon. C'est fait pour oxygéner le cerveau. J'ai les mains bouillantes, j'ai le corps tout gelé. Et comprendre combien là? Oh, je fais 21, 21. Et des broutilles, j'arrive pas à lire. Ouais. Donc, ah oh bah il est midi. Bah alors, bon appétit. Hein? Et puis moi je vous laisse là parce que je peux rien faire d'autre. Attendre que ça se passe. Mettre, remettre de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ah oui, dès que je me rapproche, ça y est, c'est la caca, la caca, la cata. Donc, je vous laisse là. Je vous dis à plus. Et voilà. Et voilà.